Allez, c'est parti pour cette première rencontre de la soirée. Avec un service efficace de la part de Tianyuan. Voilà, ce jeu de vitesse dont on parle. Une balle qui avait touché son maillot. Là pour Adrien, on le disait, il faut absolument qu'il fasse douter son adversaire, et ce dès le début du match. Là, le départ est trop timide, hein. Il se contente pour l'instant de remettre la vis comme en remise. Pour l'instant, il n'a pas eu l'occasion de démarrer quasiment, Adrien. Voilà, il faut durcir un petit peu les remises comme ça. Peut être et très bien placé et relativement puissant. Ouais, là, il s'en sort bien. Il faut en profiter de ces petites photos. Tianyuan qui est bien sûr d'Allemagne. Et puis lui, ça fait vraiment de très nombreuses années, hein, qu'il évolue dans ce club lié. Ouais, que c'est bien joué. Oh là là. Ça, magnifique. Magnifique. C'est que. Il a tendance à s'emballer un petit peu, à jouer peut-être un peu trop vite par moment, un peu plus faible. Pour le reste, et au niveau technique, c'est parfait, hein, avec cette Ebeb du Merouin d'ailleurs au dernier classement. Et encore un bon service. Voilà, ça va être compliqué si Adrien ne trouve pas des solutions rapidement en remise de service. Bien servi. Petit service rentrant en cours, coupé. Voilà, c'est fait. 1-0 pour le moment. Avec Adrien. Il est pris de vitesse sur ce service. Aucune chance de remettre cette balle pour Adrien, elle est trop. Ouais. Magnifique, magnifique ce contre top spin, du coup d'économie d'effort. Hein. Trop difficile pour l'instant pour Adrien, il recule trop vite, demande de construire les points quand il a l'occasion. Il n'a même pas besoin pour l'instant de prendre trop. Adrien, maintenez au service. Et ça sort. Oui, en plus. Ouais, c'est le premier coup droit qu'il arrive à... Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Ah qu'est-ce ouais. que c'est bien joué. Alors oui, un peu de réussite pour l'instant dans son jeu. Pour Adrien Matné. Elle un pas en arrière. Et ça ouvre les angles à l'adversaire. Il faudrait absolument qu'il se force à rester un petit peu plus près de la table sur le... Ouais, quel coin, c'est le plus joli point pour le moment. Oh, ouais, c'est beau superbe. Ça aussi. Superbe, superbe. Regarde Adrien. Il l'avait fait, ça avait moins marché. Et la Romain. Face vraisemblablement à Romain Ruiz, il n'y a pas de changement côté la Romane. Et donc il a besoin de se mettre en confiance aussi et de rester complètement dans le match. Ah, ça va vite encore. Tout de suite. Hein. Adrien maintenant, s'il ne veut pas se retrouver dans la même configuration. Et là, le retour incroyable. Et puis il y a une académie aussi sur le club maintenant qui s'est montée depuis la saison dernière. Ça aussi, c'est un plus, je trouve, hein, de penser aussi. Donc, c'est un club vraiment complet maintenant, la Romagne.
il est franchement dominé. Et dans le petit jeu, il subit beaucoup. Et ça, c'est bien joué, superbe. Ouais, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à enchaîner derrière et puis que bah, forcément... Superbe point. Ah, il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire quand même pour Adrien. Il avait presque fait le plus dur là-dessus, hein, parce que la... C'est beau ça. Ouais. Et on allonge hein, que la prise orthodoxe. Ouais, bien joué. Super ce revers. Ah, voilà, cette prise porte-plume en gros plan. Oui, puis il fait partie de ces générations de joueurs asiatiques qui l'ont fait évoluer aussi. Hein. Ils s'en servent maintenant côté. Alors que traditionnellement, la prise porte-plume, on n'utilisait qu'une seule face de raquette. Mais ça, ça avait montré des limites il y a maintenant une vingtaine d'années. Si naturel le revers que le coup droit en prise porte-plume. Oh, c'était bien joué encore ce service rapide là. Heureusement pour Adrien, il a réussi à démarrer dans d'assez bonnes conditions. Eh oui, parce qu'il y a encore 3 balles de match hein, en faveur du joueur de la Romagne. Voilà, c'est fait. Victoire dans cette première confrontation du club de